Bonjour à tous et bienvenue au Pogbo. J'espère que ça va bien à la maison. Vous êtes prêts pour un méchant gros week-end de sport. Max, es-tu prêt à te gaver cette Me semaine? Me gaver? Rien de moins. Ben oui. Ben oh. oui, oui, oui. C'est un gavage. C'est un gavage sportif en fin de semaine, Max. Est-ce que je suis Je pense que oui. La réponse, la réponse est un oui retentissant. Gonzo, ouais. je suis effectivement... Tu hésitant. j'aime n'aime pas l'hésitation. J'essaie ben de que, comprendre. Ben ouais. C'est parce que pendant un instant, j'étais comme, qu'est-ce que ce week-end a de particulier pour qu'on dise qu'on se gave? Puis là, c'est vrai qu'il y a quand même deux matchs de Canadien ouais. dans la fin semaine, c'est rare. Oui, deux matchs de série mondiale en fin de semaine. La NBA a commencé. Je veux dire, on a également, tu sais, il y, y a la NFL qui est encore là. Il me semble qu'il y a beaucoup de stock en fin de semaine. Bon, non, 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 t'as as raison. J'ai repensé à mon affaire, là, puis je suis 100% d'accord avec toi. C'est un, un gros gavage. Un beau gros gavage. <laughs> Oh man. Euh, J'espère que ça va bien. Vous allez vous gaver, vous, en fin de semaine. En plus, là, je veux dire, l'Halloween s'en vient. Là, en fin de semaine, c'est les petits ah, mijotés. Là. Les mijotés non. commencent, Max. Oh, mijotés. je range les shorts en fin de semaine, je pense. Les mijotés, ouais. Là, là vous avez le droit de faire du chili. Avant, vous n'avez le... pas le droit. 26 degrés, on ne fait pas de chili. À 26 degrés, on ne fait pas de rôti de palette, on ne fait pas de, de bœuf bourguignon. Là, là c'est commencé. Alors, le gavage commence, avec, euh, référence culinaire, tout est dans tout. Ah oh ouais, le, le chili dans cette catégorie-là? Ben oui, le chili, tu manges pas ça l'été, il fait trop ben, chaud. Je ne sais pas, ben pas c'est mexicain dans ma tête. Est-ce que c'est vraiment mexicain le chili une Très bonne question. Ou est-ce est que c'est est américain C'est comme le, tu sais que le, le cinco des mayo, c'est américain vraiment. Ben, c'est ça que je te dis, moi. C'est comme certains plats italiens. C'est fait dans des Italian-American, mais pas vraiment dans des traditions italiennes. C'est un peu la même chose pour le Mexique, je pense. En tout cas, j'ai pas assez. Tu sais, Gonzalez, c'est pas Mexicain, c'est espagnol. Fait quand il a pas de message comme quoi je connais la cul le côté culinaire mexicain, là, mais, euh, mais bref. Je l'ai juste spécifié parce que des fois, Gonzalez, les gens pensent que je suis Mexicain. Oui, tu es Mexicain toi? Non, non, je ne suis pas Mexicain. Je suis, je suis, je suis, je suis mélangé. T'es le québéco-italo-français Gonzalez le plus weird que je connais. Je suis le seul, fait que c'est correct. Euh, Mais fait, dans le fond, ce, ce que es en train de dire, c'est que, euh, ce que, que le Chili, c'est comme le Baba. Euh, le Baba T'as pas vu la controverse Quel Baba le, le... Non, laquelle C'est euh, Simu Liu, l'acteur. Il était un dragon invité ouais. dans la version anglo de Dragons Den, et euh, okay. a, euh, pff, Je me souviens plus, euh, en tout cas, il y a une compagnie québécoise qui est arrivée et qui proposait un baba qui est un thé, j'ai envie de dire indonésien, mais là je ne suis plus certain. Et ben, il, eux ils s'en foutaient, là, ils une voulaient sorte juste de faire thé. la palette. Ouais, ils voulaient juste faire la palette, puis en tout cas, okay. il était pas content. Il était pas content, Simulio. Hey, mon thé game n'est pas on point, Max. Je suis désolé. Non. Je ne suis pas un buveur de thé, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas capté la référence. Je m'excuse, il est comme tombé à plat, un peu de gag parce que j'ai demandé correct. de l'expliquer, mais c'était comme pas arrive. volontaire. Tu sais. Ça arrive. Mon thé game n'est vraiment pas tu à ouais, plus, je veux dire, euh... Ah ouais? OK, non, c'est parfait. Moi, moi euh, tu vois, je pensais que tu étais un maniaque de thé. Je me disais, j'ai peut-être une idée pour son cadeau de Noël, là, mais même pas. Max, euh, mise au jeu plus, mise au jeu.com pour tous vos paris du week-end. Vous le savez, on vous le dit à chaque semaine, mais c'est important de vous le rappeler que ce soit pour le thé ou pour autre chose, vous faites un budget parce que ce serait plat de tout dépenser puis pas avoir assez d'argent pour acheter des bonbons pour l'Halloween ou pour vos cadeaux de Noël. Donc vous faites un budget et par la suite, vous pouvez commencer vos paris. Là, comme on est le 25 octobre, ça fait deux fois que tu dis Noël en dedans d'une minute. Là, c'est trop tôt. Pour <laughs> faire plaisir à ma blonde, s'il te plaît, lâche-moi le Noël tout de suite. C'est moi qui vais être le Grinch aujourd'hui. Ah, elle n'aime pas ça. Moi, moi j'aime pas le Noël. J'ai hâte de sortir mon Charlie Brown. Non, non t'aimes pas non. ça. Non, il faut que ce soit le. Je le sais le non. pas, ça, je me rappelle en même temps. Non, non, j'aime Noël. J'aime pas Noël. 1er novembre. 1er novembre. Merci. 1er novembre. Novembre. Ah! Je suis d'accord. Non, mais non, je t'ai là. C'est sûr que c'est plus loin. C'est juste que là, vu que tu as fait une référence au thé, je me suis dit, bon, OK, des cadeaux de Noël, parce que je ne t'ai pas de cadeaux à Halloween. Là. Je n'aurais plus de cadeaux de fête. T'sais. Je sais que ta fête arrive avant Noël. On a l'air d'un vieux couple cette semaine, Max. Ah ouais, c'est C'est ouais. oh, ouais. C'est pas grave. Pas grave, on vous aime à la maison, Moi, on vous aime. Pire. On s'aime bien, on se voit moins. Fait on on, on, on se défoule maintenant quand on fait le combo. On la pipe. Ouais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Maintenant, on travaille ensemble. On n'a pas le choix de travailler ensemble. Euh, fait que Max, dans ce gavage sportif, euh, cette semaine, commençons avec un peu de drama. Puis c'est drôle, le CF Montréal a fait son bilan, puis il n'y a même pas eu de drama cette année au bilan du CF Montréal. Salutations! Euh, mais on va y aller avec le Canadien de Montréal parce que c'est lui qui a un peu de chaleur là, sur le Canadien. Cette fois-ci, on verra pour les deux matchs du week-end. Si on sera capable d'aller chercher un petit peu plus de laisse. Mais euh, autant Martin-Saint-Louis a comme traversé sa première mini-crise cette semaine, je trouve. Dans, euh, non? Trouves-tu que c'est la première fois qu'on ressent qu un petit peu de pression sur Martin-Saint-Louis? C'est la première fois qu'on dirait presque, pas tout à fait, mais presque qu'on voit le Martin Saint-Louis joueur. Parce que toi, tu étais dans les médias dans ce temps-là, que tu le sais ouais. pas mal plus que moi. Martin Saint-Louis joueur, il n'était pas le plus friand des journalistes. Puis je me souviens même quand il est arrivé, on travaillait non. bien sûr ensemble à la radio, puis tu me le disais, disais « Hé, hey, Saint-Louis, les médias, puis finalement, il faut y donner. » En tout cas, moi, je le trouve quand même bon depuis qu'il est arrivé, il est, très il est bon. patient. Et là, on commence à le sentir un peu plus courroucé Martin Saint-Louis. En même temps, il y a de la chaleur. Ouais. Bon, ouais, il pour, je pense, en raison du jeu du Canadien de Montréal. Puis à la limite, oui, il y a peut-être une petite pointe aux journalistes, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de pointe aussi à ses joueurs. Fait que je suis à l'aise avec ça aussi. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur le point de presse de vendredi où on a senti un peu plus le, le joueur Martin Saint-Louis. Euh, on parle de chaleur, c'est juste parce que ça va être tellement une lune de miel, puis on n'est pas en. En tout cas, moi, je ne suis pas en train de dire que, que Martin Saint-Louis va perdre sa job, là, loin de là. D'ailleurs, peut-être que mise au jour un petit pari là-dessus la semaine prochaine, qui sait? On verra peut-être qu'on vous en parlera oh. la semaine prochaine sur les entraîneurs et la perte oh. de poste hein, pour oh. sûr parce que si je me fie aux commentaires cette semaine, il y en a qui auraient voté pour Saint-Louis déjà là. Monsieur a des pas scoops moi. si je comprends bien. Non. non, I'm people who know people. Je suis quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est dans bien dit ça. Mais après est-ce que c'est une source Non. Non non, mais c'est juste ce qui se dit un peu mieux en anglais, mais j'aurais aimé ça avoir une traduction. Si vous l'avez à la maison, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Euh, qui si vous avez un. une. Moi, je connais. Oui, mais j'ai peut-être un, vraiment un, une expression. Je pense pas. Je suis en train de me creuser un trou. Ce pas grave. <laughs> euh, à travers Martin Saint-Louis <laughs> et sa semaine un peu difficile à l'image de celle du Canadien de Montréal, il y en a un autre qui mange la claque. Puis, euh, je suis retourné voir puis je me disais que là-dessus, on avait mordu de la poussière. et Je ne sais pas si tu veux changer ton fusil d'épaule parce que la semaine dernière, on a sorti des prédictions qui ont changé avec Cole Coffield et Lane Hudson. Je suis retourné voir et Kirby Dog est encore au même chiffre, Max. Au début de la saison, on disait « Est-ce que Kirby Dog va faire plus ou moins 50,5 points? » Et les deux, on était encouragés, on était vraiment là, on était dedans. Les deux, on avait dit plus. Est-ce que tu es encore confiant? Est-ce que je suis encore confiant? Non. Est-ce que je change mon fusil d'épaule? Oui. Pas tout de suite. La réponse, Gonzo, est oh. simple. L'an dernier… Je me roulais à terre. Souviens-toi de ma fameuse prédiction de Juraj Slavkovski en dessous Là. et je me roulais à terre. Je pense qu'au début du mois de janvier, je me roulais encore à terre. Même mon ami avec qui j'avais pris le bet était déjà prêt à m'offrir le drink qu'on avait parié. Puis regarde qu'est-ce qui est arrivé finalement. C'était quoi le drink C'était quoi le drink Je suis curieux. Le choix du rotisseur. Non, non mais. Moi j'aurais pris bien. Choix du non, non, mais c'est comme ça qu'on ouais, tu okay. oh, ouais, Moi, j'aurais choisi une bière. Au final, okay, c'est. Non, utile. mais je pensais que c'était peut-être une bouteille, c'est peut-être non, euh... non, 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 non. Un... Il peut y avoir... Des fois, il y a des bouteilles. Okay. Je ne me souviens plus de sur quel pari, mais je sais que j'ai deux amis qui avaient une bouteille de scotch l'an passé, puis elle a été donnée. Je ne me souviens vraiment pas c'était quoi le pari, ceci étant dit. Je pense que c'était qui allait avoir plus okay. de but entre Ovi et Caulfield. mais je dis ça sous toute réserve. À eux de oh, nous le dire sur, pari. Sur, sur la bouteille. Ça pari aussi, ça a pris là. du temps, là. oui. ouais. ouais. Dans les deux cas, d'ailleurs. Ça a pris du temps, ça aussi. D'ailleurs, vu qu'on est dans les bouteilles des règlements de compte, là, petite parenthèse, je viens d'avoir un Pizza, flash. Dans la dernière ouais. fois où j'ai parié une bouteille avec quelqu'un. Ouais. Non, 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 pas les pizzas. Les pizzas, ça ouais. fait un an, je vous attends. C'est Sed de HFTV. Hey, je remercie ma bouteille, moi. C'est-tu ben, quoi, Sed, est dans mon équipe? Je remercie ma bouteille, je ben, vais y dire. Ben, passe-y le message, ouais. là, parce que je sais qu'il n'est pas loin de chez nous, en plus, à la Chine, mais il m'avait bêté une Tu te rappelles, on était au casino, puis ça avait été sur la série Boston, Floride. C'est une bonne bouteille. Ouais, je m'en suis dit. T'as bien raison. T'as bien raison. Je m'en fin suis la parenthèse. Non, je pensais que t'allais. Je pensais que au pizza du jour parce que Gonzo, t'as encore dans le dernier épisode. Sur un botté. Encore. Un ouais, botté en toute fin je de sais. rencontre. J'en viens pas. Mais ça a été des bons matchs. Il y a eu des bons matchs. Je te dois maintenant 5 pids, Gonzo. Ça n'a aucun sens. 5 et hey, On est sur le point de faire. C'est proche d'un party pizza, là, tout ça. Hein. Ben c'est un c'est un mini-party. Ouais, 5 pizzas chez nous, ça fait pas long feu, je te dirais. Moi, quand je suis impliqué, ça fait pas long feu. Mais moi, ça, mon frère et un autre de nos amis, très souvent, quand les trois on est là en même temps, les gens prennent en considération qu'il faut augmenter la quantité de bouffe qui est commandée. Mais sinon, là, avec certains amis, des fois, là, je regarde la quantité de bouffe qui est commandée, je suis comme, excuse juste te dire que ça là-dedans, moi, j'en mange la moitié. Là, fait qu'on va. On va augmenter la quantité, ça. on va doubler ça ici, on va, on va, prendre un petit side de ça de plus. Puis, je vais payer plus, c'est correct, c'est juste que Big Dog's got a heat, you know. Hey, ah, tu ouvres tellement une belle porte. puis je m'excuse, je sais que c'est pas, pas du, du sportif, mais on va y aller. Puis souvent le sportif, parce que tu as besoin de bouffe pour écouter ton sport avec tes chums. Quand vous commencez à commander de la nourriture, soyez sûr d'en avoir assez. Trop, c'est tout le temps mieux que pas assez. Ceux qui sous-commandent, vous devriez avoir honte, ok? C'est bien la quantité, la variété, quand on regarde du sport, on veut manger, puis on veut manger en deuxième, puis en troisième ou en deuxième demi, si vous sous-commandez, vous devriez avoir honte. C'est dit. Excuse-moi, Gonzo, je prenais une demi-seconde pour être sûr que c'était bien clippé, parce que regarde, je pense, j'ai je pense, pas mal de cartes libres pour clipper <laughs> ce que je veux depuis un an et demi, ben, en fait, c'est pas vrai, ça a commencé en novembre oh, l'an dernier. Fait que ça ça, 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 ça va être un bon extrait pour promouvoir le combo. Paris Sportif et Ren de Gonzo sur, le, sur la bouffe. Sur la bouffe? Ah, c'est vrai, c'est tu plat chez quelqu'un, il y a trois ailes qui traînent dans une assiette. Là. Si vous recevez, t'sais, ouais. sachez recevoir. Je suis que je, ce je, je veux dire. Regarde, tout est ouais. dit. J'ai rien à rajouter. Je, as je... passé, hey, toi, tu as passé ton message avec ta gang en plus. Si si, si c'était possible pour moi de me lever et pas juste sortir de notre écran visuel pour ceux qui écoutent en format vidéo, là, je me lèverais pour applaudir. C'est juste que là, on me verrait plus, ce serait weird. Merci, Max. plaisir. Je pensais que tu allais me faire un câlin, je me disais, câlin c'est rare, je sais que tu aimes pas les, les contacts physiques. C'est tellement euh, faux ce que tu dis. me dis quand même, allez, je suis non Non, 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 là, tu es en train de répandre <laughs> des mensonges sur moi. J'aime pas les contacts <laughs> non sollicités, inattendus, surtout quand c'est pas quelqu'un de qui je suis très prêt. Mais sinon, je suis très câlineux. Je sais. Voilà. Alors si vous voyez Max, n'hésitez pas à y faire un gros câlin. Non, il adore non, ça. non, 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 <laughs> non, non respectez ma donne, s'il vous plaît. Oh, ouais, ouais, il aime sa bulle. Euh, tout ça pour dire que Kirby Doc, oh, finalement, tu ne changes pas ton oh. fusil d'épaule, mais moi je la change. Je suis désolé, je la change, Max. C'est euh, oh, ouais. juste il faut que je change pas d'idée. Déjà. Hey, J'aimerais ça. Non, mais déjà, pas... non, mais là, les blessures, la position de centre, la réhabilitation, qu'on avait peut-être sous-estimé, je vais le dire au jeu parce que j'ai peut-être sous-estimé la réhabilitation de Kirby Doc. Euh, c'est une grosse blessure, puis je, je pense que ça va marcher. Je ne suis pas en train de dire que je lance la serviette, mais 51 points, c'est quand même beaucoup quand tu as un mauvais début de saison. Je sais que Slaff a fait 50 années passées et a eu un mauvais début de saison. Mais il n'était pas blessé comme Doc l'a été. Puis il y a aussi d'assimiler les responsabilités, la position de centre. J'aime pas ça le voir à l'aile avec Suzuki puis Caulfield. J'espère qu'au retour de Slaff, on va lui flanquer Slav puis qu'on va y aller en duo. Non, non, lâche-moi l'aile. Si se que ton deuxième centre, tu veux des réponses cette année pour Kirby Doc? Non, mais moi, je, par contre, moi, j'aimerais qu'on le flanque de Caulfield. Ça, un, on pourrait avoir un débat là. là. Un, ah. un gros avec un petit. Okay, Suzuki oui. avec Slav, Caulfield avec Kirby. Tu ne joues pas à S.A.Hockey. Tu es dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, tu n'as okay. pas eu la référence, j'imagine. Ben, mais tu ouais. okay, ben, sais, à tu avais un gros avec un petit. petit là, ouais, ouais. Les moyens. Hein, ouais. Non, mais moi, j'aime beaucoup les atomes Crochus, Slavkovski, bon. Suzuki. Euh, j'aime beaucoup euh, Caulfield, le buteur. Kirby Dog, vraiment là, plus en périphérie, malgré sa passeur, Puis le passeur. Euh, le problème, en ce moment, c'est qu'on réalise à quel point, et finalement, l'aîné est euh, Travers Eagles, ça n'aurait pas été trop. Là, pour vrai, il y a tellement pas de profondeur en attaque, là, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est fou, hein, parce qu'avec tout ça, Max, quand même, le premier trio est à un point par match. Puis on les a peut-être pas tant vu que ça. Fait que, OK, mais je te pose la question. Imagine, je dire, moi, si j'ai pas vu si j'ai pas vu les sept premiers matchs là, du Canadien de Montréal, puis je regarde la colonne de points, ben je me dis, OK, le Canadien n'a pas gagné beaucoup de matchs, mais au moins, le premier trio a repris là où il l'avait laissé. Mais c'est pas le cas. Ils sont pas dangereux, à 55, ce trio-là. OK. J'allais te poser une question, mais tu viens un petit peu d'y répondre avec ce que tu viens de dire. Parce que j'allais dire, OK, ils ont leur point, mais est-ce un peu de la calorie vide? Oui, totalement. C'est du popcorn, c'est du vin. Totalement. Hein? Les doigts gras. Pis... Oui, c'est ça. Il faut que tu dises du popcorn avec parce que Du popcorn seul, pas grand-chose. Ben, si tu calorie, mets beaucoup de beurre, c'est là où ça devient de la calorie vide, ça. C'est pas que le maïs, c'est nutritif. Bref, on n'est pas nutritionniste, c'est pas grave, mais, mais je suis déçu. Je suis déçu de l'attaque, je suis déçu de la défensive. Elle. On a parlé de la couverture défensive toute la, toute la semaine, puis les gardiens de but, puis c'est plate. Il y avait avec raison, c'est normal. Mais là, on est à la recherche d'un défenseur top 4 droitier, là. Frank Cervelli nous disait cette semaine. Pierre Lebrun nous disait que Kent Hughes était au téléphone à gauche et à droite. Euh, ça, tu sais... Même s'il y a de la fumée, ça ne veut pas dire qu'il y aura transaction. Il n'y a jamais de transaction ou presque pas de transaction à ce statut de la saison. Puis je pense que Kent Hughes fait juste son travail de voir ce qu'il y a sur le marché. Ouais, mais je m'excuse vraiment d'aller là, mais j'y vais, je saute en plein ouais. fin octobre dans le lac qui commence à être frisqué en maillot de bain, même pas de wetsuit. Ça ne me dérange pas. Là. Moi, je pense que ça, ça va être dès cette année qu'on va commencer à entendre. Parler de. Hein, ouais, on a repêché un défenseur droitier ou une de mettre Ça a dû payé? On vient d'échanger oh. pour un autre. Michkov. oh, non, ça ne va pas être beau tantôt, celui-là. Max, c'est déjà commencé. Ça a commencé la, la, la minute où Ryan Backer a été repêché. Non, 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 mais on, on a donné bénéfice du doute. Ah, pas longtemps. Il y en a qui n'ont jamais décroché. Moi, moi, je vais, je vais être honnête, j'ai jamais vraiment décroché. C'était pas que je. oui, j'aurais pris Mishkov. Maintenant qu'on a des mid Tu sais, j'aurais pris Ryan Leonard. J il y aurait d'autres joueurs que j'aurais pris et que j'aurais mieux aimé que le Canadien y avait pour un attaquant. À la limite, s'il ne voulait pas Mishkov, on aurait pu aller ailleurs. J'ai été surpris que dans un encant d'attaquant, que ce soit Benson, Leonard ou un autre, on ait pris un défenseur. Puis que dans un encant de défenseur, finalement, c'est correct parce qu'on a des mid-off. Mais euh, bref. Est mon quand, quand est On, verra qu on dans va dans quelques apprendre? années. Que... Quand est-ce qu'on va apprendre? Parce que. Apprendre à quoi? Il... Non mais Ken Il... Hughes l'a dit au repêchage. S'il avait été gaucher, on n'aurait peut-être pas été là. Il repêcher ouais. en fonction d'un besoin, ça marche dans NFL parce que les six sont cool, les gars, y arrivent à 23 ans. Je veux dire Jaden Daniels, il est recrue, il a l'âge d'Alexis Lafrenière, ça fait cinq ans qu'il est dans la ligue, T'sais, ça donne une... même qu'il est un an plus vieux presque Alexis Lafrenière, ça vous donne une idée. La fille qui a signé un beau contrat d'ailleurs, félicitations à la fille. Ah bah ouais. Euh, mais ouais. quand est-ce qu'on va apprendre de pas faire ça dans LNH Tu repêches le meilleur joueur disponible, pas de On ben là, on est au moins un droitier à la défense. Oui, mais Max, je me rappelle d'une scène, et je suis sûr que tu t'en rappelles, la scène du fameux documentaire « Et des coulisses » pour le Canadien de Montréal. Jeff Gorton est à table, puis là, tu sais, une musique dramatique. Là, il dit « Si je comprends bien, là, tout le monde autour de la table, vous êtes en train de me dire que notre choix, c'est unanime. C'est Ryan S'il y a quelqu'un qui doit, tu sais, manifester vous, là. » Et il n'y a personne qui dit rien, puis dit « OK ». Ils l'ont eu, la discussion. Puis finalement, ça a été une décision en équipe qui a été prise. Puis c'était ça leur choix. Puis peut-être que dans une coupe d'années, ils nous feront ravaler nos paroles. Mais pour moi, ouais. C le défenseur droitier, C'est c'est pas un défenseur droitier qui a beaucoup d'impact. Peut-être qu'il va gober des minutes. Puis on va l'aimer. On va l'aimer. pour le moment, la moi, la moi, je ne sais défendre. pas pour toi. mais Ben oui, ben oui, c'est sûr. Mais, mais tu sais, puis même là, vu qu'on va là, on va y aller. Est-ce qu'on aurait dû échanger David Savard l'année passée quand il était le temps puis que sa valeur était au maximum si on était en train d'essayer de chercher Non, mais on est en train d'essayer d'aller chercher un défenseur top 4 droitier parce que Savard on est en train de dire qu'il va aller jouer sur une troisième paire. Tu je comprends qu'on n'a pas eu le prix pour Savard l'année passée, mais Colin, tu vas-tu vraiment surpayer cette année pour aller chercher un défenseur droitier top 4 Ils vont pas surpayer, ils vont pas surpayer, puis c'est pas grave. Euh, euh... Tu es supposé être rendu à une étape où tu ne penses plus juste en fonction de maximiser le retour de tes vétérans. À un moment donné, euh, ça va faire, là, avoir juste des, euh, des, 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 des gars qui n'ont même pas encore de poils sur le menton en défense, ça t'en prend. Je, je, je comprends Max, mais si tu avais échangé ça mettons, là, dans la date limite des transactions l'année passée, tu aurais pu faire une acquisition pendant l'été. Oui, mais tu serais tu on, on entend des noms. Le... Parce que ça va, le ben, 20, je ne sais paire, pas. Et... Tu sais, as quand même oui, pris oui, le risque. tu as un peu Oui, mais le Canadien, une savais, équipe aspirante. Hein? Non, mais tu le savais que tu qu encore être pogné avec Aïdan Goulet à droite. Tu étais à l'aise avec ce risque-là. Tu t'es pas banqué. Ouais. Dans la vie, là. Hein? Ça te prend un plan A, mais ça te prend aussi un plan B. Puis finalement, le plan B, t'es pas si bon que ça. Ça a duré combien de temps la deuxième paire a une Savard, tu sais? C est, c est... On, on avait tous confiance que Savard, oui, c'est un bon grand frère, oui, c'est un bon vétéran, mais là, finalement, on veut le faire jouer sur une troisième paire parce que. C'est un peu plus difficile défensivement depuis le début de la saison. Puis peu veut pas, il y a tellement joué de minutes l'année passée, des minutes qui sont difficiles. Tu sais, je ne suis pas en train d'envoyer savoir en dessous du boss, là, au contraire. Euh... Puis je, je suis curieux, je me gratte le coco et je me dis, c'est qui le défenseur? Si on va chercher un défenseur, j'espère que ça va être une transaction hockey pour essayer de, de re-signer ce défenseur-là puis qu'il puisse être un, un morceau de la brigade défensive du Canadien de Montréal. Parce que je ne m'attends pas, puis Pierre Lebrun a parlé, je ne m'attends pas à ce que le Canadien de Montréal fasse une transaction pour aller chercher de l'aide d'un joueur de location ou autre, là, on ne donnera pas un first pick pour aller chercher, on va chercher un gars qu'on va vouloir greffer au noyau. Ouais, mais honnêtement, je vais être honnête avec toi, je reviens à ce que tu as dit au début, là, je ne m'attends pas à ce que ça arrive, pour être bien honnête. Une transaction, c'est trans le de l'année, des transactions autres que je ne sais pas moi, un jeune joueur qui, veut, qui dit qu'il n'allait pas vouloir signer puis qu'on ça n'arrive pas. C'est rare, c'est rare. Et ceux qui ont des défenseurs droitiers, top 4. Il est garde. À moins d'être en reconstruction puis de savoir qu'il reste un an ou deux de contrat et que finalement après ils vont faire sauter la banque. C'est limité quand même là, ta, ta liste d'équipes avec qui tu peux euh, tu peux transiger. Euh, Max, parlons de défenseur droitier, mais à un autre niveau, puis okay. aucun lien avec le Canadien de Montréal. Non. Kale Maker, oh, quel début sais. de saison, Kale McCarr. Ça n'a pas oh, de bon je sens. Je Pourtant, on en parlait. C'est quoi? C'est il y a deux semaines, on parlait avec Devin Tays et son absence. Euh, défensivement, il avait même fait un meilleur coup de pas, mais il ramasse des points. Max, est-ce que Kel peut faire 100 points cette année? Est-ce qu'il fait ben 100 oui. points? Ben oui, 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 oui. Ben, Dans le cas de Mekar, ouais. c'est les blessures. C'est les blessures. Dans le cas de Mekar, ça a tout ouais. le temps été ça. Est-ce que ça va être encore ça? Moi, je te relance encore plus loin, Gonzo. Non seulement est-ce que Mukheur fait 100 points, mais est-ce que Macr peut compétitionner au trophée Art Ross? Et est-ce qu'il peut compétitionner au Hart? Moi, ça, c'est toutes des questions que j'ai concernant Karl parce que oh. la façon dont il vient de débuter, là, écoute, ça n'a aucun sens. 15 points en 8 matchs pour débuter l'année. Premier marqueur de la Ligue nationale de hockey. Ah! Oh, il est tellement spectaculaire. Je me répète, mais j'aime tellement regarder ce gars-là patiner. J'étudie le coup de patin de me McCarr. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il fait avec ses edges. Il appelle ça, je sais qu'il appelle ça le tomahawk, ce qu'il fait quand il ouvre les hanches puis que les deux pieds pointent chacune dans une, chacun dans une direction inversée. Et là, ouais. c'est comme s'il avait compris que, whoop, là, et là on n'a plus la profondeur qu'on avait. Là. Faut, faut, déjà que j'étais pas mal à 100, il faut que j'aille à 115. Et c'est sensationnel, complètement sensationnel. C'est euh, ouais, magnifique. Pour vrai, c'est un des, des joueurs que j'aime le plus regarder dans la Ligue nationale de hockey. Je sais pas pour vous à la maison, là, mais si vous ne regardez pas, j'imagine que vous ne regardez pas souvent l'Avalanche Colorado parce que les matchs ne sont pas nécessairement non, diffusés puis dans un fuseau horaire qui est autre, mais faites-vous faites plaisir. Puis regardez au moins un match de l'Avalanche Colorado la semaine prochaine, vous ne serez pas déçu. Vous serez pas déçus. Euh, Pour le Norris, Max, pour le Norris je ne sais pas, j'aurais dû m'en rappeler, là, mais à ce stade-ci de la saison, après un échantillon de 7-8 matchs, de voir une cote déjà en bas de deux fois la mise, c'est fou, je ne me rappelle pas de ça. C'est une cote de fin de saison. 1,90. C'est comme si la course était déjà terminée. Ça n'a pas de sens. Oui, effectivement. Ça ne vaut absolument rien de choisir Macquar pour le, pour le Norris. Non. Le Hard Rush, j'y crois pas. Le Hard Rush, je pense que McDavid McKinnon vont. Puis McKinnon, je dis, on parle de Macquar. McKinnon est quand même juste à deux points. Caprissov, euh, Kucherov, euh, tu sais, McDavid va remonter de toute façon. Fait que le Heart Ross, non, mais ah. je te relance le complément. Est-ce que le Heart est une possibilité pour Kerr Mekar? Et là, il y a de l'argent à faire, contrairement au Norris. La cote est déjà passée de 25 à 17. Ça, c'est fou. Euh... En quelques jours. Je te pose la question, OK? Qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner le Heart? Parce que je suis d'accord avec toi pour le. Il va faire 100 points, il ne gagnera pas le Heart Ross parce que je pense que le Heart Ross se gagne au-dessus de 130 points encore une fois cette année. Puis là, si. Même moi, je suis un énorme fan de Kerma il s'il fait au-dessus de 130 points, je vais tomber en bas, de, en bas de ma chaise, je vais tomber des nues. <laughs> um, fait qu'est-ce qu'il va devoir faire pour gagner le Heart Parce que le dernier défenseur, c'est Chris Pronger en 2000. Euh, faut, ça prendrait tellement d'étoiles qui soient alignées, j'y crois. Je pense que cette année, peut-être qu'avec les déboires défensifs de l'Avalanche, les déboires des gardiens de l'Avalanche, on va peut-être être, être tenté, euh, même si McKinnon vient de le gagner. C'est arrivé, là, deux ans de suite, même que les derniers coéquipiers à avoir ouais. tous les deux été nommés au Hart, c'était Mario Lemieux et Romain Jaguer, quand Mario Lemieux était revenu au jeu au début des années 2000. Donc, c'est possible qu'on euh, considère autant lui puis McKinnon. Mais moi, je pense que 115 points et du jeu défensif auquel on peut s'attendre de lui. Moi, je pense qu'il va être nommé. Euh, ouais, nommé, oui. Euh, après, je réfléchis à ce que tu me demandes, puis je me dis, c'est sûr que les plus et moins, je trouve que ça. T'sais, là, là c'est un début de saison, mais je n'ai pas confiance en Georgiev, mais les deux sont à moins deux pour le moment, là, en date de l'enregistrement, puis même Radnaden est à zéro. Euh, mais si Kermaker fait, mettons, comme tu dis, 115 points, et que McKinnon ne gagne pas le Art Ross, il y a des chances. Il y a des chances. Mettons, là, on fait une mise en situation, puis c'est euh, McDavid qui le gagne à 136 points. McKinnon a genre euh, 117 points, puis Kel McCarn a 113. Il pourrait avoir des bonnes chances. Tu penses qu'il pourrait McKinnon avoir des bonnes chances de le là, gagner? Cross il, va cross et... il va passer devant? Non, non, c'est McDavid qui gagne. Là, le... Je te Zunet. dis juste que, mettons, McKinnon a une coupe de points de plus. Tu sais, McDavid, là, il y a le facteur un peu, on est tanné. C est, c est, on est tanné de voter pour lui. Ça donne. Euh, McCur, là, c'est pas, pas Eric Carlson avec les Sharks, c'est avec une équipe non, qui est aspirante. Exact. Fait que d'avoir fait ça, mettons, c'est pas genre on donne tout le temps le puck à Eric Carlson pour y aller. C'est une équipe qui, qui va faire un bout de chemin en séries éliminatoires. Puis à la limite, si c'est Georgiev toute l'année et que c'est pas bon, je suis sûr qu'on va prendre ça en considération parce qu'il est bon défensivement, ouais. Kyle sais Pour ceux qui regardent les matchs, c'est pas un gars qui est juste one-way. C'est un ouais, gars non. qui est complet quand même, Kyle McCœur. Donc oui, tu sais, moi je regarde la cote, puis elle était à 25, on s'en est parlé cette semaine. À 25, je la prenais les yeux fermés, puis je partais en courant avec, comme Chesterkin aurait dû partir avec le cash de son salaire qui n'a pas fait. Mais à 17, j'apprends encore et je pars quand même en courant avec. C'est une très bonne, très bonne mise. Mais 17, je, reformule, fois, euh, ouais. je reformule parce que si tu penses que si McKinnon gagne le Heart Ross, McKinnon va aussi devancer Macar au Heart, si j'ai bien compris. Non, j'ai dit McDavid gagne l'Art Ross, McKinnon, mettons, McDavid à 135 points, McKinnon à 117, puis McCarr à 113. Ouais, je, sais. je pense que McCar peut le gagner. Mais, mais, mais dans l'inverse, dans l'optique où si McKinnon gagne l'Art Ross, tu penses que c'est lui qui l'aurait devant, devant McCarr? Ben, il y a plus de chances, mettons. Moi, ça, ça va dépendre par contre. Tu me demandes dans quelles circonstances. Tu sais. Ouais, ouais, mais je me demande dans. Je pense, moi, je suis capable d'imaginer un scénario où, même si c'est McKinnon qui a devancé puis qui a gagné trust si Mocker n'est pas trop ah, loin, ouais. je pense qu'on va prendre en considération le fait que, s'il est à 5 points comme défenseur. Ah, oh, mais il va-tu faire 120 maintenant Mettons, s'il fait 120 points, donnez-lui tout de suite. C'est un défenseur à 120 points. Euh... Ouais, je suis d'accord avec ça. Ce serait comme il... un autre plateau. À ouais. moins que McDavid s'en claque 150. Là. Exact. Mais, ou à moins que quelqu'un aussi euh, en marque 70. que Mais je te lance une balle courbe. À moins qu'un Connor LeBuck à 75 fois la mise continue sur ce qu'il est oh. en train de faire. Oh là, tu m'amènes quelque part. Parce que ben, Kelmecker est solide à 17 fois la mise, mais dormez pas quand même sur Connor LeBuck et les Jets. Ils ne feront pas ça toute la saison. Mais quand je vois un gardien aussi dominant que Connor LeBuck qui a eu des séries l'année passée qu'il veut faire oublier. Il va essayer de se racheter en série. Mais cette, cette année, avec la brigade défensive très moyenne des Jets, quand je vois une cote de 75 fois la mise, Max, je me prends un petit montant puis je le mets sur Connor là -bas. Mais ce, ce que j'ai hâte de voir, puis euh, je vais donner le crédit là où le crédit est dû. C'est Daphné Malbeuf qui m'a amené cette stat là euh, Les Jets, l'an dernier, là, ont terminé dixième dans les buts contre attendus. Et ils ont bien sûr terminé premier dans les buts contre. Donc... Connor, et les Buc, oui. à lui seul, a fait passer les Jets, autrement dit, entre guillemets, de la dixième défense à la meilleure. Mais la première, cette année, ils sont encore meilleurs défensivement, les Jets, alors qu'on ne s'y attendrait pas. Parce que, comme tu as dit, les... Pis moi, c'est ce qui me surprend des Jets. Un... Maintenant, c'est rendu que je les appelle les Bruins de l'Ouest. Tu regardes cette formation-là, tu es comme Fringe série. Ok, un petit peu plus vu qu'ils ont à puis là, finalement, ils connaissent un début de saison encore Tony tonitruant. Fait que là, je me dis, l'an ah ouais. dernier, avec tout ça, est euh, a terminé sixième au Heart. Faudrait vraiment qu'il rose son jeu, puis qu'on considère que cette année, c'est lui qui a traîné les Jets pour le faire rentrer dans la danse. Mais moi, regardez, moi, tu, tu me connais, là moi, je suis pro-gardien de but, fait que je vais être très content si ça arrive. Euh... Yeah, je ne te dis pas hein? que ça va arriver, c'est juste que quand je regarde la cote, quand je regarde la cote, je me dis, on, on, serait, on, on serait con de ne pas le mentionner au passage pour pour dormir sur cette cote ouais. de 75 qui pourrait être peut-être à 20 une coupe, dans une coupe de semaine Non, mais tu fais bien de le mentionner. La, la, la seule chose, par contre, moi, que j'amènerais en conclusion à, à ça, c'est que quand Kerry Price l'a gagné en 2015, le Art Ross s'est gagné à 85, j'ai en tête. C'est ouais. Jamie Benn qui l'a gagné. Quand Théo l'a gagné au milieu des années... Ben, avant le lockout, là, en 2002, au début des années 2000, dans le fond. Ouais. Euh, il y avait eu un marqueur de 50 buts, c'était Higgins là. Je, suis... je pense qu'il avait peut-être fait 100 points, mais borderline. Euh, puis après ça, ben, c'était Dominique Hachec dans les années 90. Là aussi, c'est des époques où il se marquait moins de buts. Il se marquait moins de buts. Tu as, as totalement raison. T'sais, pour qu'on donne le « heart » à un gardien de but, dans, dans une période où il ne s'est jamais, mettons, marqué autant de buts que je ne sais pas combien de, depuis combien d'années, ça va être très difficile. Il faudrait que ce soit une domination complète. j'ajouterai un dernier point. Conor Ellebock oui. est un des derniers des Mohicans. Il joue 65 matchs par année. 60 l'an dernier, ouais. 64 l'an d'avant, 66, sois... mais il y a ça aussi. Est-ce qu'un gardien peut encore gagner un heart à une époque où les gars jouent 55 matchs? Là, moi je pense que c'est non, non, impossible. Non, mais lui, il en joue plus. Comme tu ça. dis, c'est le dernier, puis je vais en rajouter une vraie dernière couche. Est-ce qu'en raison de ce qu'on a vu de Connor LeBoc l'année passée en séries éliminatoires, on va vouloir encore lui en donner autant? Il faudrait pas. Faudrait pas. 66 départs pour Carey 2015. Je suis juste allé voir pour le fun. Fait qu'il s'est gagné à 66 pour Carey Price. Ah oui. Non, non. Fait on va peut-être le tourner autour de 60, Connor, pour qu'il reste un petit peu d'essence de, dans le réservoir pour les séries éliminatoires. Mais allez faire un tour sur les différents trophées qui sont encore là. Souvent, ils disparaissent, hein à les soirs de match, puis attendez là, le lendemain autour de midi, là, ils réapparaissent avec des petites modifications, souvent avec des euh, les cotes pour ouais. euh, les trophées de la Ligue nationale de hockey. Oui, c'est tu sais bien de le mentionner. On Max, la question euh, gros, la dernière. Oui, ouais, exactement. Tu sais, fait que nous, on répond aux questions des gens. On, on, est, on est comme de ça. On est gentil de temps en temps. temps c'est important, important de le faire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. On va faire un plaisir de même répondre pendant l'émission. Max. Week-end du Canadien de Montréal, un 2-2 deux en deux pour le CH, puis on commence ça à la maison contre les Blues de Saint-Louis, oh oui. qui sont privés de leur premier centre. Robert Thomas, tu vois quoi pour le match de samedi? J'aime pas dire ça, mais as-tu vu les Blues jouer contre les Leafs? Oui, malheureusement. Euh, évidemment, le Canadien... D'ailleurs, j'ai hâte de voir. Là, parce que là, au moment où on enregistre, puisqu'il reste un match au Canadien avant celui face aux, aux Flyers, euh, on n'a pas la cote. Ça va être calme. Parce que le Canadien a été négligé dans tous ses matchs cette année. De toute façon, c'est normal. Le Canadien fait deux ans de suite qu'il termine top 5 à inverser. Fait n'y a pas beaucoup d'équipes à la base. Ouais. Je pense que même contre Philadelphie, vu que c'est à Philadelphie, Philly va être favorisé. Exact. Euh, fait que le Canadien va être encore négligé dans cette rencontre-là. Écoute... Euh, il y a une partie de moi qui a envie de dire que le Canadien n'a pas le choix de gagner. Il faut que tu mettes un terme à l'hémorragie. Je ne le vois pas. Je pense que les Blues ont gagné. Je vois une victoire des Blues. Ouais. Hein. Moi, moi, au début, j'étais très. Je vais être honnête avec toi quand je préparais l'émission. Je me disais le Canadien gagne. Le Canadien gagne samedi, à la maison. Mon tambour va être devant le filet. On va vouloir vraiment. Non, mais tu comprends, on a travaillé sur bien des choses. Ça a été une petite semaine pour la le CH. Let's go. Les Blues sont privés de Robert Thomas. Et là, jeudi soir, je m'assois devant la télé et je regarde Blues Lives, tout est poubelle. poubelles. Oui? Tout est aux poubelles. Récupération. Je me suis dit, ah oh non, écoute. Euh, non, non, mais c'est une équipe qui. Composte. Oui, 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 ça je voulais dire. C'est juste que poubelle, c'était plus. Euh, ça marquait plus l'imaginaire. Ouais. Tu sais. J'entends. Euh, ça pour dire que les Blues, c'est une équipe qui, qui est hargneuse, qui fait de l'échec avant, qui, qui qui En tout cas, je la trouvais travaillante. Puis là, je les voyais bourdonner en zone, en zone défensive des Leafs. Je me suis dit, si le Canadien est nonchalant dans sa zone comme il l'a été lors des derniers matchs, les Blues vont se faire du fun. J'espère que le Canadien va se réveiller, mais malheureusement, c'est une belle cote en plus. Les Blues, samedi, je n'ai pas le choix de donner ça aux Blues samedi. 1,83, très légèrement favori. Je comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas qu'on donne autant de respect aux Canadiens dans ce match-là, pour être honnête. Euh, non, je suis d'accord. Ben la blessure que... de Thomas en fait beaucoup, Max. C'est vrai. T es, t es... Oui, effectivement. C'est un très bon point. Mais non, non, le Canadien depuis une semaine et demie maintenant, on l'a vraiment échappé contre les Penguins et les Kings. C'est des matchs que tu aurais dû gagner. T'sais, en même temps, j'essaie de me dire, ok, ouais, ouais, le samedi dernier contre les Insulaires, ils ont bien paru, ils ont bien rebondi. Il aurait pu aller chercher. Tu sais, les Rangers sont vraiment meilleurs que le Canadien. Il... Ben oui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il leur donne autant de volées, mais je m'attendais quand même à ce qu'ils gagnent par deux buts. J'avais pris Rangers moins 1,5. Alors voilà, c'est dit. Là. Euh, exact. C'est très bon d'ailleurs, mais ça se peut que ce soit ça en fin de semaine contre les Blues. Je veux dire, si les Blues gagnent 4-3 et que le Canadien joue mieux, c'est possible. Tu peux construire sans avoir le résultat complet. Tu l'auras peut-être le lendemain. En ce moment, par contre, ce qui me parle le plus, c'est le plus de 6 buts dans les matchs du Canadien. Euh, Puis c'est pas que je ne crois pas ouais. en Montembeau ou Primo, c'est que Écoute, euh, comme disaient les appendices, c'est trop poreux, cette défense-là, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas. Je m'excuse de l'anglicisme, il n'y a pas de toughness. Il n'y a rien. C'est mou, mou, mou en défense. Puis quand je parle de mou, je parle pas de rentrons Albert Jacquel qui donne une coupe de taloche pour. Non, non, devant le filet, c'est mou. On ne s'impose pas physiquement. Ouais. Même Mayus Trueball, le fameux deuxième but contre les Rangers, la mollesse pure, on se regarde. Ah oh, non, non, non. Moi, c'est ce qui me déçoit le plus du début de saison du Canadien Gonzo. C'est l'absence totale de D'émotion. D'émotion, mais défensivement, c'est l'absence totale de progression. Là, c'est l'en 3 de Aussi. cette jeune défense et elle est tout autant perdue. Ça marche pas. Et ça, c'est franchement décevant. sais est-ce que. On, on en a beaucoup parlé cette semaine de ça, mais tu sais, les fameux systèmes, concepts et tout le reste, le man-to-man -man versus le zone, euh, tu sais, on le voyait, les Rangers, c'était fou, là, je veux dire, quand tu y allais, tu sais, Saint-Louis a parlé de circus offense, là, quand ça, ça, ça bourdonne beaucoup et il y a beaucoup de permutations. J'ai regardé le match à nouveau euh, en arrivant à la maison mardi, puis. Quand ça le faisait le long des rampes, tu sais, quand le défenseur, je veux dire un man-to-man man pour les gens à la maison, là, quand tu suis ton homme comme ça, ben, quand le gars, il remonte en haut de la zone, c'est plus clair chez le Canadien de Montréal. Rapidement, là, on commence à se poser des questions, on regarde à droite et à gauche, on ne sait plus qui qui a qui. qui. Euh, vous ferez l'exercice, vous allez voir, c'est vrai. vraiment. ça saute aux yeux. C'est fou, c'est fou. Fait que c est, c est, oui, c'est un système ou un concept qui, qui est peut-être plus difficile à jouer en raison de la vitesse dans la Ligue nationale de hockey et de la jeunesse de la brigade défensive du Canadien de Montréal, mais c'est comme si. Martin Saint-Louis, euh, je ne veux pas dire qu'il fait ça, mais il y a un cul hockey qui est assez poussé, Martin Saint-Louis. Est-ce que c'est com pas complexe à ses yeux, mais complexe pour bien du monde? Tu comprends? Je ne sais pas jusqu'à quand on va s'entêter à galer avec ça parce que clairement, c'est pas bien assimilé là, chez le Canadien. Mais c'est ce qu'on reproche souvent aux meilleurs joueurs lorsqu'ils deviennent entraîneurs. C'est une des choses qui ont de la difficulté. Euh, c'est une des choses avec lesquelles ils ont de la difficulté, c'est-à-dire que des choses qui pour eux sont toutes simples, puisque c'est tellement des joueurs élites, ne ouais. le sont pas. On s'est beaucoup dit lorsqu'il a été nommé, « Ouais, mais Martin Saint-Louis, il n'a pas eu tout cru dans le bec, il a du bûcher dur pour se rendre à la Ligue nationale de hockey. Euh, » Peut-être qu'il va être capable de, de, de partager ça, mais j'écoutais son point de presse vendredi, puis il est encore revenu sur, parce que là il parlait des critiques, puis pourquoi j'écouterais des critiques de gens que je n'irais pas voir pour des conseils? Qui déjà avait dit cette quote-là à la base? Une quote d'Aaron Rodgers. C'est Aaron Rodgers. Oui, t'as raison, c'est une quote d'Aaron Rodgers. Tant Rodgers l'a dit la semaine passée. Oui, t'as raison. il y a deux semaines, ça ne fait pas longtemps que Rodgers ça. Ben oui, t'as raison. Oui, moi, quand je l'ai entendu cette semaine, quand j'ai entendu vendredi, je me suis dit, attends, je l'ai entendu, puis là, c'est là que j'ai fait de bas. C'est Aaron Rodgers. Mais c'est lui le premier qui est venu avec, parce que je. Je sais pas pourquoi mon dirait que j'avais le droit pas, en là, mais En tout cas, je ne peux pas croire que c'est Aaron Rogers. C'est sûrement pour ça que je l'avais aussi fraîchement en mémoire, mais bref. L'affaire, c'est que là, Martin Saint-Louis, il est coach. Il est pas joueur. Parce qu'après ça, quand il a dit cette quote-là, mm -hmm. il a dit. Euh, là, il me semble qu'il parle en anglais là, dans cette réponse-là, là, il dit euh, Les gens ouais. qui écoutent de moi, bien souvent, là, ils finissent par avoir tort. J'adore cette attitude-là. c'est bien correct mais là il est coach c'est pas lui qui est sa glace puis qui lance les patins puis qui vous fait je vais vous la mettre dans la face ouais. faut Il faut qu'il convainque les ouailles de le faire ce qui est un peu différent puis je dis pas que je ne crois pas en lui et tout ça mais fait que je me demande des fois justement là, tout est beaucoup axé sur Martin Saint-Louis depuis qu'il est là c'est très bien il prend la chaleur il protège un peu ses joueurs de la chaleur mais là à un moment donné c'est que faut que les joueurs ils commencent eux aussi à en prendre de la chaleur puis surtout à, à se développer un peu collectivement je suis d'accord. Je suis d'accord collectivement et individuellement. C'est important. Tu ne veux pas qu'ils prennent des mauvaises habitudes. Tu en reconstruction, puis là, on dirait qu'ils sont en train d'en prendre, en tout cas défensivement, des mauvaises habitudes euh, chez le Canadien de Montréal. Max, pour ton pari de plus de 6 buts ou plus de 6,5 buts, tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup depuis quelques matchs, c'est de prendre plus 3,5 pour l'adversaire du Canadien de Montréal. Ouh. Parce que vu que le Canadien ne marque pas tant que ses chiens, ses plates, mais ça rentre souvent. Regardez les matchs de dernièrement, c'est du 4, du 4, du 6, du 7. Ouais. Euh, plus 3.5, ça pèse souvent autour de deux fois la mise. Fait que c pour dernièrement, vu que je n'ai pas confiance en l'attaque du Canadien de Montréal, j'aime quasiment mieux me rabattre sur le plus de 3.5 pour l'adversaire. Je ne vous dis pas que je le ferai en fin de semaine contre les blues. Euh, je le ferai peut-être le lendemain contre les Flyers, on en parlera. Dans un mais euh, sinon, j'irai avec les Blues, puis j'irai peut-être avec un point Jordan Cairo qui va très bien aussi depuis le début de la saison. Je, je me rallie à tous ces arguments. J'ai littéralement rien à rajouter. C'est triste, là, mais écoute. La quantité de chance auxquelles <laughs> les pauvres gardiens font face, là. Ah ouais. Ah, de la ligue on est de dernier dans la ligue dans plein de catégories, là, Max oui, oh, c'est vrai, vrai. OK, le lendemain. Le lendemain, le Canadien de Montréal se dirige à Philadelphie pour un petit voyage contre les Flyers qui, eux aussi, mangent la claque et pas à peu près depuis le début de la saison. Oui, les projecteurs sont sur Matvei Michkov, puis il fait un point par match et tout le reste. Puis on dirait qu'à Montréal, ça s'enflamme déjà. Max, est-ce que les Flyers vont gagner une autre rencontre? Et est-ce que le Canadien, lui, pourra retrouver le chemin de la victoire dimanche à Philadelphie? Dans les deux équipes, c'est pour un deux en deux aussi. Ouais, mais le problème, c'est que le Canadien, peu importe si l'autre équipe a joué son premier match en cinq jours, son deuxième match en deux jours, peu, peu importe ce qui arrive de ce côté-là, le Canadien, sur un 2 en 2, fait dur. Fait dur en tas, Puis, ouais. pour cette simple raison-là, ça va être un Philly aussi. Euh, puis. J'espère me tromper sur celle-là. Je vous avoue, j'ose croire que ça va être Monty, samedi, primo, dimanche et non pas l'inverse. Attendons quand oui. même de voir ce, ce si ça confirmé matin. C'est fait? Ah oui, ils l'ont confirmé aujourd'hui? Non, mais c'est confirmé. Oh, oui, c'est confirmé. C'est mon samedi, primo, dimanche. Bon. Ben, oubliez le seul argument que je pouvais avoir dans ce cas-là, parce que j'allais dire peut-être si Monty <laughs> dimanche. Non. Non, non, non. Pauvre Kayden, il va encore se faire Ça N'a pas de sens. Moi, je prends les Canadiens dimanche, Max. Mais non. Quel... Ils ont je eu un Canadiens, point gros, en je... deux-en-2 deux, l'an passé. Trois points. Trois points en deux en deux l'an passé. Ben oui, mais c'est pas grave, c'est cette année. là pas... Regarde, euh, le Canadien a besoin de cette victoire-là. Puis vu que j'ai pris les blues gagnant samedi, le lendemain, le Canadien n'a pas le choix de revenir euh, à la maison avec au moins deux points sur quatre. Puis les Flyers, écoute, ils, ils sont mauvais depuis le début de la saison. Ça ne va pas bien là-bas. On est on est permissif défensivement. Devant le filet, c'est tout croche. Si on dans un 2 en 2 tu risques d'avoir fait de en plus devant le filet. Il y a de la misère à se déplacer. Le, le gardien géant russe. Le Canadien doit gagner cette victoire contre les Flyers. C'est des, contre des adversaires là, qui sont prenables. Tu n'as pas le choix d'essayer d'accumuler au moins les points pour reprendre confiance. Fait que, vais avec le CH dimanche. sais qu ce qui est vraiment hot dans ce que tu viens de dire? Quoi? Si on avait bipé tous les mots que tu as utilisés qui faisaient une référence aux Flyers et aux Canadiens, puis qu'on avait demandé aux gens de quelle équipe ils parlent, comme laquelle que... Puis je pense que ça aurait été 50 ans... C'est oh ouais. tout fit pour les deux équipes. Le, le, à part, tu sais, je suis pas prêt à dire que ça va aussi mal pour les gardiens montréalais que pour fait mettons... Ça, serait, ça aurait été l'indice qui m'aurait fait ouais. dire, ok, ils parlent de Philly qui ont de la misère, puis que Montréal doit en profiter et non pas l'indice. Bon, on n'a pas de géant. Pas de van filet, en tout cas. Exact, on pas de géant le filet. Mais t'as raison, t'as raison, c'est vrai que ces deux équipes qui se ressemblent, et ces deux équipes, tu Philadelphie, pour vrai, je sais que les gens, tu sais, bon, vous regardez sûrement pas les matchs des Flyers beaucoup, mais ils ont des bons jeunes éléments, les Flyers de Philadelphie, pareil, ils ont un bon mélange de vétérans et de jeunes aussi, puis c'est juste que l'année passée, les attentes étaient pas mal plus élevées, on dirait que les gens cette année, les attentes sont plus élevées en raison des résultats, qui étaient complètement tout croches l'année passée, là, Torts a été capable de soutirer trop de ce groupe-là, je m'attendais pas non plus à ce que quoi, à si défaites fait, là, moi, ce qu'on ouais. voit en ce moment, c'est ce que je m'attendais des Flyers l'an dernier. Oui, Je m'attendais un peu à ça cette année. D'accord, je suis d'accord, mais... mais il faut que le Canadien mm -hmm. aille chercher cette victoire-là. Puis même pour Primo, là, je veux dire, Primo, la ville de Philadelphie, son père, l'histoire et tout le reste, pas pour rien qu'on lui donne aussi. Là. Mais il faut, tu sais, il faut que tu ailles gagner ce match-là contre les Flyers. Il est tu sais, les Flyers, euh, six défaites en ligne, je ne sais pas ce qu'ils vont faire samedi, là. Mais on ne marque pas de but, on en donne à la tonne. Ça avec que c'est un peu comme le Canadien de Montréal. Fait que let's go. Je, te, je, je vais te dire une affaire, Gonzo. C'est pas le match du Canadien de l'année. Un dimanche NFL non. que je vais regarder avec le plus de concentration. Ça, je te le garantis. Contre les Flyers. D'accord. Des... Honnêtement, à l'heure actuelle, depuis le début de l'année, hmm. je suis prêt à dire que Flyers canadiens sont dans le top 3 des pires équipes sur la glace avec les Sharks. Blackhawks sont meilleurs, les Blue Jackets, j'ai été plus oh, impressionné. Oh non, oh non. Wow. Oh, non, non Et les non, Blue non, Jackets ont donné non, une non, volée ben, aux Leaves. As-tu vu le Canadien donner une volée à qui compte? Ouais. Non, pas encore. Ben, c'est ça. Fait que juste, je dis pas que c'est là que ça va mais venir. Mais, mais, mais je les je Sharks. Là, là. Ouais, les Sharks, en raison de l'absence de Celebrini, ça, ça m'intéresse moins. Ben euh, j'ai regardé les Ducks, j'aime beaucoup les Ducks. Ouais, je sais. Mais euh, ouais, les Blue Jackets, nous, t'étais de la volée qu'ils ont donné au, euh, aux Leafs. C'est pas chic, regardez-les. Pourtant, Wierenski est en grande forme. Ils ont trois victoires, euh, trois Mais Tu en manques un peu de respect là, au manteau bleu, toi. Oui, je suis correct, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est l'énergie de Johnny Gaudreau. Qui, euh, qui propulse comme ça les, les Blue Jackets, c'est bravo de le faire comme ça. T'as dit que c'était pas le match du week-end, dimanche Canadien Flyers. Est-ce que le match du week-end ou le match de l'année, c'est les Jets de Winnipeg encore invaincus au moment d'enregistrement contre les Flames de Calgary dans ce duel canadien? T'es allé jusqu'à dire le match de l'année. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Max. Je ne m'attendais pas à ça. Je, je, je suis sous le choc. Le match ben de l'année. Euh... Non, blague à part. Hey, Il faut mousser euh... quand même. Hey, pauvre, pauvre Winnipeg et pauvre Calgary. Là, deux villes où euh, je ne sais même pas le boulot lot et le centre d'achat sont. sont Puis je ne parle même pas d'Edmonton. À Winnipeg, qu'est-ce qui est à la mode à Winnipeg? Oh boy, là là, je voir ce que t'as à mode à Winnipeg. Là là, Je, hein? je, je vais être bien honnête, là. Ça arrive pas souvent, mais là j'ai <laughs> vraiment rien, à, je ne connais rien de Winnipeg. Bouché, bien, je t'ai bouché là. Je peux. Moi Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Puis je dis pas ça sans manquer de respect pour Winnipeg. Là. Je ne sais pas, j'ai aucune mais, idée. Tu sais je suis une chose? Je suis jamais allé moi non plus, je l'ai dit. Les Blue Barns? Ça. Les Jets de Winnipeg sont une meilleure formation que les Flames de Calgary. Les Jets de Winnipeg vont oui, battre les Flames de Calgary. Oui, Et après ça, en début de semaine prochaine, les Jets vont battre les Maple Leafs de Toronto. Hey, J'avais oublié qu'il y avait... Fi... Parce que ça a tellement pas bien été pour les Buck, entre autres, en éliminatoire, que j'avais oublié que les Jets ont fini la saison régulière en feu. Au moment de l'enregistrement, euh, avec leur septième victoire, Ils sont à 15 victoires de suite en saison régulière. Waouh, ça c'est du solide quand même. Mais c'est une belle équipe. Puis euh, moi aussi, je les prends victorieux contre les Flames. Fait qu'on n'aura pas de pizza là-dessus. C'est une belle cote en plus, une 71. Ouais, ouais Parce qu'ils sont sur la route. Mais les Flames les Flames impressionnent. T'sais. Les Flames, vraiment, là, de pouvoir étaler ça sur trois trios. Euh, Rasmus Anderson, a une super, un super début de saison. Wolf aussi devant le filet. Bravo aux Flames. On les attendait pas, ça, en tout cas. Non, puis moi par contre, non seulement je ne les attendais pas, mais j'achète toujours pas les Flames. En passant, là. Moi, je pense que les Flames de Calgary c'est peut-être les Flyers de cette année. Tant mieux s'ils sont dans le mix toute l'année. Ça va, ça va prendre beaucoup de temps avant que j'embarque dans le train des Flames. Ça va ah. prendre plus que ça. Ouais, moi aussi. Je le, je le laisse passer pour le moment. Je le regarde puis je juge un petit peu ceux qui sont déjà dans le wagon. Bon, Juste on, un petit peu. On... En cachette, mettons. On n'est pas dans le jugement au combo ici. Quoi? Non, non, on est inclusif. Bon, mais en cachette, en cachette, tout le monde est un peu. Sois honnête. Comment? I plead the fifth. En cachette, on les tous un peu. Ouais, c'est ça. Euh, L'autre duel qu'on surveille, les Sens contre l'Avalanche. Tu vois quoi, toi? J'aime cette J'aime ce match. Hey, les Sens au moment de la ouais, deuxième avantage numérique de la Ligue. Ouais, 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 ouais. ça va bien, les Sens, là. Puis tout ça sans une marque en plus là. Sans le là, on a renvoyé euh, le, le quatrième gardien, parce que Mad Soul Guard s'était blessé, on avait rappelé le quatrième gardien. On a renvoyé le ouais. quatrième gardien, parce que là, là moi, si je suis un fan des Sens, là, avec tout ce qui s'est passé entre les poteaux ces dernières années, je suis un peu inquiet avec ce qui se passe avec les nœuds le parce que, mm. ouais, dangereusement, on n'est pas encore là, là, mais dangereusement, on commence à être dans le territoire de Thatcher, et il est day-to-day, enfin, day, 11 jours qu'il est day-to-day, fait ça m'inquiète un peu. Mais c'est pas grave. Mad, pas Matt Saugard, pardon. Euh, Anton Forsberg a eu le jeu blanc face euh, au club pas de nom de l'Utah. Ouais. Euh, les Sens, comme je dis, deuxième avantage numérique face aux au gardiens plein de trous de l'Avalanche du Colorado. Ceci étant dit, Justus Anunen, depuis qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être essayer de se donner des départs au lieu de juste systématiquement les donner à Gorgiev jusqu'à ce qu'il fasse perdre le club. Bravo. Pas bien fait. On dirait que j'y crois aux Sens parce que là, l'avalanche a contrebalancé ses quatre défaites avec quatre victoires. Là, maintenant, ils ne vont pas partir sur 15 victoires. On dirait que j'ai le goût des Sens à négliger, comme négligé dans ce match-là. Ouais, l'avalanche est à la maison. Fait que si tu veux faire un petit peu d'argent, il va falloir que tu ailles prendre le négligé. Euh, les deux équipes ne jouent pas, par contre, samedi. Donc, ce n'est pas un 2 en 2 pour les deux équipes. Et vendredi, c'est sûr que les sénateurs, c'est les Golden Knights. Fait que euh, je ne serais pas prêt à aller avec les sénateurs, par exemple. Puis pourtant, là, il y a beaucoup de négligés qui rentrent. Là. Cette oh, semaine, j'avais pris le Wild contre le Lightning, c'est rentré. C'était une bonne cote, je pense que c'était 2 et 30. Il y en a beaucoup. Fouiller, allez, 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 allez vraiment chercher l'information, regardez les fiches à la maison sur la route, les tendances, les marqueurs, le nombre de buts. Faites vos devoirs. Mais impressionnant les sénateurs, par contre. L'avalanche à la maison, là, on le sait, là, depuis une couple d'années, c'est complètement fou. Cette année, ils ont juste une victoire, puis ils ne font rien à la maison. Je m'attends à ce qu'il y ait un retour du balancier. Et je prendrais plus l'avalanche, mais je serais game d'aller chercher des petites catégories de joueurs ici et là. D'ailleurs, Mekka, deux points, ça rentre tout le temps ou presque aussi. McKinnon, même chose. Euh, t'sais, les sénateurs euh, en voyage, ils ont eu Vegas. Je ne sais pas qui va être devant le filet dimanche, mais j'irais peut-être pour un deux points de McKinnon ou un deux points de Mekka. En tout cas, nos auditeurs d'Ottawa, on vous salue. Vous savez qui est de votre côté. Votre boy, Max. Pas grincheux, Gonzo. Oui! C'est pas grave. C'est pas grave. Écoute, on a le temps. C'est juste un petit échantillon, Max. aussi. sais. Hein. J'ai pas dit que j'embarquais pas dans le train. Si ouais, j'avais ouais. à Ottawa, j'irais peut-être en train d'ailleurs. Moi, j'y crois au sein, cette année. Je les avais en série. Puis au moment où on se parle, je suis confiant dans ma prédiction. Ouais, moi, ils m'ont fait des mains les deux dernières années. Je les avais mis en série. Fait que cette année, je suis pas prêt à dire que j'ai mis en série la rancœur, hein. Pas grave, rien contre vous les gens de, de la région de Gatineau ou d'Ottawa. Max, passons aux choses sérieuses. Oui. Série mondiale, Yankees, Dodgers, Côte-Est contre oui, Côte-Ouest. J'ai ma casquette. Euh, casquette Puis, c'est ce que tout le monde veut voir. Je veux dire, il y a cette rivalité-là qui nous amène même jusqu'au hip là, La Côte-Ouest contre la Côte-Est. C'est magnifique. Uh, Aaron Judge contre Otani. Uh, tu sais, t'as tes gros canons de chaque côté. C'est magnifique. C'est mieux qu'un D-Bax contre les Rangers du Texas, soit dit en passant. Um, tu vois quoi, toi Tu, tu prends qui C'est quoi ton pic pendant combien de matchs Ce sont les Yankees. Ah, oh boy, c'est pas vrai. Disais, Ce sont les Yankees. Ce sont les Yankees. Ok, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Je suis déçu de toi, Max. faut que j'essaie de le résumer le plus rapidement possible parce que ouais, le temps file. Non, c'est pas. <laughs> Je travaillais à RDS lorsque Aaron Judge a joué son premier match dans les majeurs. Et donc à RDS, quand tu es, dans es la nostalgique, nouvelles... quoi Non, non, non. Donc, dans la salle des nouvelles à RDS, t'as tout le temps quelques matchs de balles à signer pendant l'été, c'est toi qui, qui fais le résumé pour Sport 30, tu shoots ça au lecteur de nouvelles, exemple à Pat Mahoney, tout ça. Puis Moi, j'étais assigné au match des Yankees. Et si je me trompe pas, il y avait aussi, comment est s'appelait déjà, Gary Sanchez, euh, le receveur aussi, là, il avait oui. fait son premier match. Oh, oui, après à, à droite ouais. Et je suis pas mal sûr qu'Aaron Judge avait fait un circuit sur son premier at-bat, sa première présence au bateau, puis il avait fait deux circuits dans ce match-là. Puis c'est parce qu'on l'avait énormément hypé dans le broadcast sur le, que j'écoutais. Puis il arrive un mastodonte, mais tu sais, comme presque ah ouais. baby face bien rasé évidemment. Il joue pour les Yankees. Puis, fait que j'ai toujours eu, j'ai toujours aimé Aaron, euh, euh, Aaron Judge à la suite de ça. J'ai toujours été. Euh, Aaron Judge. Euh, ouais, j'ai eu des affinités pour, pour Judge. Donc j'ai envie de le voir gagner. Je trouve qu'en plus, plus j'ai appris à le connaître à travers les années, je trouve qu'il est sympathique. Je trouve que c'est un bon ambassadeur. Je trouve que c'est un gars qui a l'air d'avoir le cœur à la bonne place. Fait que je souhaite une série mondiale à Aaron. Ou... Est-ce que j'irai prendre une bière avec? Oui, j'irais prendre une. bière. Vous allez souvent avec. prendre une bière? Non, non, pas non. non. C'est parce que tu dis j'ai appris à le connaître et tout ça. C'est un gars bonhomme sympathique. Je me disais, Colin, je savais pas que tu l'avais dans tes contacts que tu faisais prendre des bières souvent. Très C'est bon à savoir la prochaine fois je vais à New York. Ouais. Euh, fait, -ce non, c'est un, un, un. Ouais, écoute, une, une bonne... ouais, ouais c'est ça. Euh, c'est une bonne raison. Aaron Judge est un personnage sympathique qui a été plutôt absent, je te dirais, depuis le début des séries éliminatoires, mais il est dû. Ah, oui. Il est dû. Puis euh, Stanton est bon, puis Soto est bon, puis à la limite, Kléber-Torres aussi est bon. Euh, C'est deux puissances. Là. Je te quand je te dis que les Yankees, je veux dire, j'ai peur des Yankees. J'ai vraiment peur des Yankees. J'avais peur des Padres, on les a passés. Euh, je veux dire, les Dodgers en 7. Hein. Je vais prendre les Dodgers en 7 parce que j'aimerais ça que ça aille jusqu'au bout. Puis je pense qu'on a les forces de part et d'autre pour qu'on puisse amener ça jusqu'au euh, au maximum. Euh, la différence, c'est peut-être, je te dirais, le 1 à 9 des Dodgers. Je trouve que les Dodgers ont une meilleure profondeur de 1 à 9. Puis il y en a qui vont dire Ouais, mais Max Muncy fait rien, puis Will Smith fait rien, puis Gavin Knox aussi, vous, êtes, vous avez raison. Mais si j'ai à regarder, je me dis éventuellement, ils vont débloquer. On a vu Tommy Edmond. Les, les, les Dodgers ont tellement de joueurs qui peuvent exploser offensivement. T'sais, on a vu Kiké, on a vu T. Oscar, qui ne sont pas, mettons, Otani ou Betts. Ou même Freeman qui est blessé, que je me dis, je mets plus mon argent sur le 1 à 9 des Dodgers que celui des Yankees, mais en même temps, les Yankees, il y en a plusieurs qui vont dire j'aime mieux les lanceurs des Yankees que ceux des Dodgers. Je pense vraiment qu'on a deux puissances. Euh, mais j'y vais avec. Euh, J'aimerais ça. Ce serait pas éthique en plus là, que Show O'Tani débarque en série et qu'il gagne le titre de série mondiale. Donnez-moi les Dodgers. Euh, ça te donne une cote de 5.5 si tu y vas avec les Dodgers en 7. Je tiens juste à dire, ouais. par contre, aux gens qui écoutent en format vidéo, de ne pas tenir compte des cotes que vous voyez à l'écran pour les matchs. Parce que je viens de me rendre compte que euh, ben, je pense qu'il y a quelqu'un chez Mise au jeu qui s'attend à un balayage de part ou d'autre. C'est 4-0 partout. Il, il écrit 4 -0 ouais. partout. Fait que ça, c'est comme, comme Green Day. Ben en fait, fait c'est... Oui, mais ce qu'on peut comprendre, puis je peux l'expliquer, parce que je l'ai vu le tableau cette semaine, c'est que il y a les cotes à gauche complètement. Là, pour ceux qui, euh, qui regardent en format vidéo, oh, vous avez ouais. les cotes à 1, 82 et 5, qui sont les cotes. Et par la suite, c'est balayage en, en 4, en 5, en 6, en exact. 7, de gauche à droite. Exact. Donc, ne euh, prenez juste pas en considération les 4-0. C'est bien, bien expliqué, effectivement. Ouais. Euh, je pense aussi que ça s'en va en 7, mais ce sera pour les Yankees. Je trouve ça drôle, hein, parce que tu as dit tout le monde veut voir ça, mais euh, si tu sondes le fan de balle moyen qui a ces deux équipes-là, il va dire le contraire. Ah, c'est la dernière chose que je voulais, mais je suis convaincu que tout le monde va écouter. Je suis sûr. C'est un accident sur le bord de ah tout man, on le le monde voir, ces deux puissances-là, se taper Je, ça je suis d'accord avec toi. Oh, ouais, ouais mais c'est vrai, c'est vrai que les, 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 les puristes qui ne sont pas nécessairement friands des gros salariés vont se dire c'est deux équipes à 300 millions. Puis c'est deux équipes qui se sont achetées les championnats. Puis on aime ça voir les négligés. Je veux dire, on aurait aimé ça voir les Guardians, on aurait aimé ça voir les Tigers, mais c'est pas mal moins vendeur. C'est mm. quand même intéressant. quand même très intéressant. On est bien d'accord là-dessus. Puis moi, qui est un peu moins féru que toi, moi, c'est le genre de série qui va me faire beaucoup plus tune in avec intérêt. Ouais. Je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas nécessairement les plus grands fans de balles Ils sont comme hey, attends un peu, Dodgers, Yankees, je regardais ça. Moi, c'est des grosses vedettes, c'est des gros marchés. Euh, fait que ça intéresse beaucoup de gens. J'imagine qu'on va, va battre des, des records de code d'écoute pour ce qui est de cette série mondiale. Max, on va y aller à rafale, mais euh, week-end numéro 8, déjà dans la NFL. Euh, et on commence parce qu'on vient là en horaire, là. on va commencer avec un duel qui me fait peur lui aussi. J je je, je l'aime pas. J'aimerais qu'on continue sur notre séquence victorieuse. Mais les Eagles contre les Bengals en fin de semaine. Les Bengals sont à la maison, ils sont légèrement favoris. Tu vois quoi pour cette rencontre? Je vois Saquon Barkley. Je vois Saquon Barkley partout. Je vois Saquon Barkley ouais. faire du fun. Puis je vois Saquon Barkley malheureusement faire mal à tes tigres. J'espère que non, je t'avoue, parce que tu sais que j'ai plus, plus d'affection pour les... Euh, pour tes petits tigres que pour les aigles. Mais écoute, on est quoi? 25e contre la course en rendement chez les Bengals? Je pense que ça Ah, on arrête de rien, Max. Le front défensif des Eagles a bien ouais. paru également dernièrement face, face aux Giants. Fait que je pense que Dan, euh, Daniel Jones, pas Daniel Jones, je pense que Joe Burr, il, malheureusement, il va avoir de la visite dans son bureau toute la journée. Tu l'as dit, ils sont à domicile. Ils sont à domicile les Bengals. Je vais leur donner une chance. Mais la cote des Eagles à 2,20, et 20, je trouve que c'est parce que c'est une équipe, on dirait, qui hey, est bien faite pour, pour battre les Bengals. Ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, tu vois, euh, celle-là, je, je l'assume totalement, mais le jupon dépasse un petit peu. On doit aller chercher ce match-là en fin de semaine. On a bien joué contre les Chiefs, on a bien joué contre les Ravens, les Bengals, carbure à ce genre de match-là. Tu n'as pas gagné encore à la maison cette semaine. Oui, tu accordes beaucoup par la course, puis ça va être la même chose avec Saquon. Là, défensivement, on est amoché en plus. On manque du monde. Il faut que l'attaque marche en fin de semaine. Puis je sais que dernièrement, défensivement, les, les Eagles sont vraiment solides. Mais là, Joe Burrow, Jamar Chase, on a besoin vraiment. T. Higgins, on a besoin de l'offensive en fin de semaine. Et je ne voudrais pas que l'équipe soit 0-4 à la maison. Fait que je suis prêt à y aller quand même avec les Bengals. Puis je trouve wow. ça bizarre parce que dans ma tête, ils sont négligés. J'aime pas la cote, là, mais, mais si tu me demandes qui, je prends qui, si je fais abstraction de la cote, j'irai avec les, les Bengals. Mais, mais je dois être honnête, la cote des Eagles à matière parce qu'elle est grosse. Puis à mon avis, c'était eux qui devaient être favoris. Euh, donc, considérant que tu penses que c'est l'attaque des Bengals qui doit faire le travail cette semaine, et ce qu'on a dit sur l'attaque des Eagles qui. Euh, et bien équipé pour affronter la défense des Bengals. Est-ce que tu y vas avec un haut-dessus de 48? Euh, non, mais j'irais au-dessus du nombre de verges pour Saquon parce que je suis pas. Même si Devante Smith et euh, A.J. Brown sont revenus, je ne suis pas le plus grand fan de Jalen Hurts. C'est souvent comme. Euh, Jalen Hurts, il, mais, mais non, pas, euh, ce n'est pas. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ce n'est pas. Euh, ben, il ne m'a rien fait, mais à part le touche-pouche, je, je trouve qu'il est décevant, Jaden Hurd. Ce n'est pas, pas le gars qui, qui est clutch tant que ça. Euh, j'irais avec Saquon parce que je sais qu'on a de la misère à, à arrêter la, la course, mais sinon, je ne suis pas sûr que j'irais tant que ça au-dessus de 48. Toi? Okay. Je pense que j'irai au-dessus de 48. Oui. Ouais. Je ouais. le prends possible. pas, mais de si, si j'avais à faire un choix, c'est ce que je ferais. Et combien de verges pour coins au sol? Vas-y, je vais donner la cote. Ah, euh, oh. C'est quoi dans ce match-là? Hey, wow. Je suis abasourdi. Mais Totalement. Là, ah oui? Ah, ben là, ça va être un over. Puis moi, moi, je m'attends au moins non, 115, le 120. C'est par palier, Max. OK, on a la cote du week-end. Oui. Je suis désolé pour moi. J'suis... Mon Dieu. Au moins 60 verges, 1,33. Au moins 70 verges, 1,56. Au moins 80 verges, 1,95. Au moins 90 verges, 2,50. Et, et au moins 100 verges, 3,25. Donnez-moi un au-dessus au 70 déjà en partant. C'est très beau. Bon, plus que ça. Les, les oui. Bengals sont très permissifs contre la course. Moi, je serais au-dessus au de 90 à 2,50. Puis si tu me dis 115 verges, il y en a fait quoi, 176 la semaine passée? On court souvent au-dessus de 100 verges chez contre les Bengals. Combien déjà pour au-dessus de 80? 1,95. Au-dessus de 80. Ça, le risque et le rendement solide. Au-dessus ah, de 80 ouais. réglé. Ouais. On s'entend bien. Parfait. On s'entend bien. OK, fait qu'on a Saquon. Pour ceux qui ne veulent pas se prononcer là, sur Bengals ou, euh, ou les, les Eagles, à la limite, vous avez au-dessus de 80 pour Saquon. Ça va vous donner deux fois votre mise. C'est déjà bon. Bills Seahawks, Max, maintenant. Bills Seahawks. Oh, Amari Cooper? Ah, Cooper, ouais. Buffalo Bills. Au-dessus de 55,5 verts. Je suis allé voir c'était quoi son total pour son premier match avec les Buffalo Bills. Um, DK okay. Metcalf blessé. Hein? Euh, il me semble, du côté des oui. Seahawks de Seattle. Oui. Donnez-moi donnez Le les, bi ouais. donnez les Bills par trois. Donnez-moi les Bills par trois. Même si c'est sur la route, le 12e joueur, tout ce que vous voulez du côté des Seahawks. Non, les Seahawks me font pas peur pour les Bills. Euh, ça va être une, une belle victoire des Bills. Je pense une victoire convaincante. Fait que moi, c'est un sans aucune hésitation, un Bills moins 3 pour être honnête. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Je, les Seahawks vont bien, c'est une bonne attaque aérienne. Euh, Kenneth Walker est capable de, de bien courir au sol maintenant qu'on utilise moins Charbonnet. Euh, mais puis je dirais que les Bills, moins 3, moi aussi. Puis je regarderais peut-être du côté de James Cook. Euh, la défensive contre la course des Seahawks est horrible. Elle est maganée, elle est blessée en plus, puis on donne 146,1 verges par rencontre au sol. Mm. Donc, euh, peut-être un petit pari de James Cook, mais je vais avec les Bills moi aussi euh, okay. moins 3. On n'a pas de chicane cette semaine. Très bien. à l'aise avec ça. Non, même pas de chicane. Oh. Attends, là, les Niners arrivent. Quand il y a des Niners, souvent il y a de la chicane. Puis là ça va être une chicane. Les, les deux équipes ont absolument besoin de cette rencontre, Max. Oui. D'ailleurs, la semaine dernière, hein? Quoi? Semaine dernière, Chiefs Niners. Oui. Mais ben Chiefs Niners, t'hésitais, t'hésitais, t'as choisi finalement, t'as tranché. Oui, 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 non, non, mais j'hésitais parce que je voulais pas choisir les Chiefs. C'est bien. Je, je l'ai fait à contre cœur. Je suis allé à contre cœur sur la rive sud. Ben oui, mais T'as gagné pareil. t'as gagné pareil. Ah oui, mais c'est plate ça. Cette semaine, par contre, cette semaine, cette jour, semaine. Par contre là, je veux, je crois, je ouais. pense qu'il y a, malgré ce que tu viens de dire, que les deux équipes ont besoin d'une victoire. C'est vrai, mais il y en a une qui est meilleure que l'autre. Et cette équipe-là, c'est les 49ers de San Francisco. Les Cowboys vont se faire planter, je le pense. J'hésite quasiment à prendre les Niners. Planté. Je m'en fous du retour de Micah Parsons. Puis je m fous... Non, non, les Niners vont. En plus, as-tu vu la longue discussion entre Carl Shanahan et Brock Purdy dans le vestiaire après la. Non, 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 non. Moi, je pense que c'est un FU game de la part des Niners. Les Niners jouent des FU games face aux Cowboys et ce sera les Niners par plus de 4 points. Oh, euh, tu sais que la ligne n'était pas à 4 au début de la de la semaine, et là, regardez bien, elle est à 4, elle a bougé à 4,5, elle revient à 4 de temps en temps. Euh, les Cowboys sont 3-0 sur la route depuis le début de la saison, on sait qu'il y a pas mal d'absents chez les Niners, mais là, Debo était là, c'est pneumonie, pas de problème, ah ouais, une semaine finie, donne-moi une pompe, puis je suis correct, je peux jouer. Brennan Ayuk qui n'est pas là aussi, on est quand même à amoché chez les Niners, mais on est à la maison, euh, J'y crois pas aux Cowboys, même si Parsons ah, revient, je veux dire, non. défensivement ils sont horribles. Fait que je suis d'accord avec toi. Le 4 me fait peur. Fait que quand je regarde la cote des Niners, 1,44, ça vaut pas la peine. Mais 4 points ou 4 points et demi, c'est beaucoup. C'est euh, beaucoup. J'aurais tendance à peut-être y aller pour le Dallas plus 4, mais les Niners gagnent cette rencontre-là. On est d'accord. Mais où on n'est pas d'accord, c'est ouais. que les Niners vont couvrir l'écart de points ouais toi, toi Tu penses qu'ils vont couvrir? Moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont couvrir. Je sais que c'est risqué là, quand, quand c'est 4 points ou 4,5, mais quand même, si ça se gagne par un botté, ce match-là, ben, si tu prends la hausse plus 4, tu gagnes ton pari. Puis la cote est à 1,93 versus... C'est le 1,44 des Niners là, pour une victoire. Moi, je trouve que ça vaut pas la peine. Non, non, non. non. Je... Ben, c'est pas... En même temps, dans un pas petit assez, combo, je suis assez convaincu. Je suis assez convaincu des Niners dans ce match-là. Ouais, wow, ouais, mais tu sais, mettons, là, on jasait de Saquon. J'irais bien plus avec Saquon et le nombre de verges. Ou à la limite, j'irais plus avec les Bills moins 3 que d'aller avec les Niners à, à moins 4. On est d'accord sur toute la ligne. T'sais, mais vu qu'il faut se prononcer, moi, oui, je prends les Niners, mais j'aime pas la cote. j'aime pas la cote. Correct. T'sais. Des fois, tu travailles avec du monde que tu n'aimes pas. Tu travailles avec pareil, là. « C'est-tu ouais. un fait vécu de ce qui se passe ici? »« C'est ça? ça, il me regarde dans le blanc des yeux! Je... »« D'où, Jésus? »« Je voulais juste essayer de, 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 de heurter ta confiance. Mais... »« Ben non, God. tu sais que c'est pas vrai. »« C'est pas vrai, voyons donc. »« J'aime tout ça avec qui je travaille, ça va très bien. »« Oui? »« oui, 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 ça va très bien, pour vrai. »« Ok, non mais je sais pas, es tu toi, pas moins ouais, de tout, tout va très bien. » Non, même pas. Non, non, c est, c est, ça, ça va bien, pour vrai. Ouais. Non, je n'avais pas de message à te lancer du tout, Max. Ouais. Puis il a personne d'autre. trouve que, que le visible. combo va bien. Ouais. Euh... Non, même pas. Même pas. Ouais. Je... Ouais. <laughs> bon, hey, bon week-end NFL. Bon chili si c'est la première fois que vous sortez le chili parce que c'est un mai d'automne, contrairement à ce que Max peut dire. Non, je suis quand même d'accord. Ton chili, fait, tu le manges tout seul ou tu le manges avec quelque chose euh, Ça dépend. Ouais, tu les... manges ça avec. Soit les petites chips, ouais. soit pain. As-tu déjà mangé un chili dans un bol en pain? Euh, non, j'ai déjà mangé du clam chowder dans un bol en pain à San Francisco, sur le bord du pier. Mais sinon, j'ai jamais rien mangé d'autre dans un bol en pain. Ça, c'est un Toi? chili dans un bol en pain. Là. C est, c est, ça y est, c'est peut-être que je ouais. mange ce soir. Oui, peut-être. Oh, pas fait l'épicerie encore. C'est très bon, ce dimanche, un petit, chili, un petit chili dans un bol en pain. Ça m'attire, ça m'attire. Bon week-end en numéro 8. Mise au jeu plus, mise au jeu.com pour euh, vos paris. Et on l'a dit, faites-vous un petit budget. Ayez du plaisir à travers tout ça. Ça reste des jeux de hasard et des devoirs aussi. Quand vous faites vos devoirs, vous avez plus de chances de réussir quand même. C'est ouais. bien dit. C'est sage, c'est bien dit. On vous souhaite un bon week-end et on espère que, comme Gonzo, vous aimez tous vos collègues. <laughs> on vous le souhaite. C'est important dans la vie quand même. On passe beaucoup de travail, beaucoup de temps au travail. Max, bon chili, puis bon week-end. On se repart la semaine prochaine. Ciao.